Bam! Ah ah, dans ta jambe, sale PD! Tiens! 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 Dans ta face! Voilà, on l'a sauvé. Alors lui, me dites, j'espère franchement qu'ils vont pas nous faire pareil que Dead Rising, genre c'est un sauveteur alors qu'en fait c'est lui qui a provoqué toute l'épidémie, genre une connerie comme ça, tu sais. Ah, lui aussi, ça a l'air d'être lanceur de couteau. Au couteau Noken, au couteau de cuisine, au couteau de salle à manger. Référence à ceux qui y sont. Alors ouais, on a sauvé le type, ouais. Vous avez été déconnecté de Steam. Ah, m'en fous. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my life. You need to get out of there, and I can help you. Okay, c'est le cerveau. By air, by sea, but first you need to get here, to me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? Bon, y a pas de VF, hein, mais bon. Ce titre est français. God damn it. Merde, quel enculé! Oh. Alors, vous avez des points de compétence, appuyez sur U pour les dépenser. Avec plaisir! Je vais me mettre dans la survie d'un prédateur. Oh, mort de rire! C'est du père! Non, je vais vous expliquer. En fait, sur une vidéo. Eh ouais, moi aussi, avant d'acheter des jeux, je me spoil, j'aime bien, c'est rigolo. Sur une vidéo, en fait, j'avais vu un tout autre arbre de compétence. C'est-à-dire que chaque personne a son arbre de compétence. C'est pas, en fait, genre combat spécial survie. Non, c'est combat spécial survie, mais pour chaque personnage. Si vous pouvez toucher deux ennemis avec une arme lancée, la distance de lancer est de 15 mètres, ok. Combat. Un contendant sont des armes plus efficaces, dégâts, un contendant, quoi. Survie. Chance de récupérer une arme après l'avoir lancée, 15%. Ouais. Chance de récupérer une arme après l'avoir lancé 50%. Ouais. Ouais, c'est minime quoi, on va dire. J'ai 4 cibles avec une arme lancée. Oh putain. Ok. Tu vas devenir le dieu du lancer. Bon, je vais pas me mettre vraiment dans le lancer pour l'instant, vu qu'apparemment on va avoir beaucoup d'armes comme ça, je pense. Ça peut être intéressant aussi. Oh putain! Il y a vraiment des trucs intéressants. Allez hop. Ouais, non, excusez-moi de vous avoir un peu spoil. Bon, allez, on va prendre bourrin. Parce que j'aime bien être bourrin comme vous l'avez vu. Oui, je vais acquérir cette compétence. Boum dans ta face! BSG en visant précisément la tête? Hein? J'ai pas compris là. Vous utilisez une arme contendante, vous pouvez déclencher une attaque spéciale si vous appuyez sur BSG. What the fuck? En visant. Ah, bouton souris gauche, ok. Ok. Wow, ils ont fait fort. Tu veux un coup dans ta tête? Bah, bah. Merde, marche pas. Ça va les gars? Oh putain, je rame. Ça a l'air d'être la fête ici. Bon, allez, on va lui parler. Je suis le sauveteur principal ici. La voix à la radio m'a dit que vous avez des soucis à l'hôtel. J'espère que vous pourrez lire, hein, parce que. Hey, je peux pas bouger. Non, j'ai pas envie. Non. Trouver la carte magnétique dans le... Facile récompense, ouais. Mode clou.
On se retrouve. Bon, un peu loin là, j'avoue. Oula, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ouais, j'ai avancé en fait en arrêtant ma vidéo, bien sûr. La partie sur la jungle en fait était la toute première vidéo et mon frappe s'est coupé parce que voilà, il en pouvait plus justement, comme je vous l'ai dit. On avait appris beaucoup de choses du coup et ça va être la dernière partie, je pense. Donc là, on va faire une petite mission et puis je vais vous montrer donc vraiment tout ce que j'ai appris du jeu et ça va être un pseudo-test en fait, on va dire. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, je l'espère. J'ai essayé de faire des réglages son pour vous entendre le jeu, je ne sais pas si ça marchera. J'ai trifatouillé dans mes périphériques Windows, tout ça. Il y a même un moment où j'ai fait un test, oula, avec Fraps. Allez, toi t'as plus de tête. J'ai fait un test avec Fraps. Et justement, on m'entendait pas du tout. Alors là, les zombies sont évolués, enfin évolués. Vous voyez, j'étais niveau 1. Là, maintenant, ils sont niveau 30, quoi. Faut vraiment faire gaffe. Alors, les zombies n'évoluent pas dans une zone précise, en fait. Ils évoluent. Allez, toi t'es mort. Oh, j'ai plein de choses à vous expliquer. Ils évoluent, en fait, avec vous. Voilà, c'est ça en fait. En revanche, si vous rejoignez la partie d'un mec, vous serez, ben, les zombies seront au même niveau du mec que vous aurez rejoint. C'est assez sympa comme système. Il y a des coffres. Hop. Matraque lourde. Bon, je pourrais toujours la vendre. Hein. Alors, je vais vous montrer les compétences. Hein, vous voyez, j'ai vraiment évolué, quoi. Je suis allé loin, quoi. Voilà, du coup. Ben, niveau 30, quoi. Comme les zombies, quoi, en gros. J'ai trouvé des monstres. Oh là, j'ai eu peur. J'ai trouvé des monstres spéciaux. Comme eux, là, par exemple. Enfin, ceux des mini-monstres, on va dire. Il y en a d'autres. Oh, le monde. Bon, attendez, je vais activer ma mode rage. Je peux pas? What the f... Oh, mais merde. Ah non, je l'ai pas. Les coups de pied sont très utiles pour les écarter. Oh lol. Ah! Tac. Voilà. Petit QTE pour s'en séparer d'eux. On leur tranche la tête. Et c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, non mais. Je vais essayer de me dépêcher. Je vais faire la quête, la rendre, et puis on va se quitter. Alors, les gars. Je prévois de vous faire une vidéo sur un jeu qui va être très simple à tester, je pense, et qui va vraiment être sympa pour ceux qui ne connaissent pas. Ce jeu s'appelle Magicka. Dans ta tête. Tiens. Tiens, boum, explose. Je regarde ce que. Hop, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, mes armes sont plutôt space, genre elles sont vertes et tout ça. Vraiment étrange, quoi. En fait, ce sont des armes modifiées parce qu'au cours du jeu, comme dans Dead Rising, justement, vous pourrez modifier vos armes et même les améliorer pour qu'elles fassent plus de dégâts. C'est vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Putain, il y a du zombie, mais en masse, quoi. Tiens, je vais prendre ma hache, pourquoi? Parce qu'elle est plus résistante. Elle est plus résistante à la casse. Et ça, c'est bon. Hop, on va prendre de la nourriture, toujours, hein. À chaque combat que vous faites, essayez de trouver de la nourriture pour toujours vous réparer, c'est ce que je vous conseille. Oh. Aïe, aïe, oh, les corps brûlent. Faire gaffe ça. Couteau de plongée faible. Je regarde si des armes seraient meilleures que les miennes. Apparemment non. Faut dire j'ai des armes de bourrin, on va dire. Hop. J'essaie de me dépêcher. Alors ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il faut beaucoup utiliser ses oreilles. Enfin utiliser ses oreilles. Disons que ça peut vous aider à trouver où sont les monstres. Tenez. Lui je l'ai entendu. Je savais qu'il allait m'attaquer. Tiens, dans ta gueule, enculé! Allez à terre, pas bouger! Voilà. Merci de me rendre ma hache. Voilà. Est-ce qu'elle reste plantée? Après, moi j'ai un. LOL. Descends de là, toi. L'immonde. J'ai une compétence qui fait que mes armes peuvent me revenir. C'est la compétence boomerang.
du lanceur de sort justement. Tiens, vous voyez là c'est marqué boomerang, donc ça veut dire que ça a fonctionné. La terre, allez. On apprend aussi des coups spéciaux comme écraser les têtes comme je viens de faire. Après je sais pas ce que c'est pour les autres. Ah, un zombie spécial, alors lui c'est zombie style kamikaze, regardez. Hop là. Il y a un petit peu de spoil hein, forcément, mais bon. Je n'ai pas encore trouvé tous les infectés spéciaux, dites-vous que j'en suis qu'à l'acte 2 et l'île paradisiaque c'est l'acte 1. J'en suis à 22 heures sur ce jeu et franchement j'en suis qu'à 20% quoi, on va dire. Il est vraiment, je pense que la durée de vie est très bien. Il n'y a vraiment pas à s'en plaindre. Les graphismes sont acceptables, je sais pas pourquoi mais on dirait presque du Modern Warfare quand je vois ça. Les zombies, inutile de le dire, sont de meilleure qualité que dans Left 4 Dead, mais ça c'est normal parce que qu'en fait je me suis perdu, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré. Oui, je voulais dire donc que les zombies sont mieux modélisés. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais me perdre, c'est pas vrai ça. Voilà, c'est un jeu plus récent. Oh, crotte de bique. Oh, bien sûr, il y en a beaucoup moins qui sont enregistrés. Ce n'est pas le but de ce jeu, hein. Notre personnage est très faible, c'est pas un gros bourrin. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors, vous pouvez le constater en haut à droite, il y a un cercle qui fait que quand j'utilise mes armes, regardez, non, on va peut-être pas le faire avec ça, regardez. Quand j'utilise mes armes, hop, ce cercle diminue. En fait, c'est la résistance de l'arme. Et après, plus elle sera basse, plus ça me coûtera cher de réparation. Alors on a l'inventaire, hein, kit de secours moyen, c'est ce que je vais utiliser là. On va se faire de la drogue, hein, de la drogue. Voilà, on a récupéré de la vie, c'est cool. Ouais, ceux qui auront vu mon inventaire, hein. Bien sûr on a des armes à feu, hein, comme vous pourrez le remarquer. C'est ma faute combat, venin. La matraque lourde, je vais abandonner. Abandonné, j'ai dit. Je prends la faute combat venin que je remplace avec mon truc. Alors j'avais une idée aussi, je vais peut-être faire des vidéos sur Modern Warfare, ça aurait pu être intéressant. Les petits kikous, tout ça, qui m'auraient sûrement apporté plus de monde. Attention, alors là je sors mon arme parce que peut-être qu'il y a des voyous. Et oui, en effet, dans le jeu, on rencontrera des humains. Snack. Allez, le frigo, insuline, c'est parfait. C'est ce que demande une fille en fait. Ça me fait marrer.